Et salut tout le monde, ici Endo pour le 14e épisode de Regardons le Rétro sur Pokémon Version Argent. La semaine dernière, je vous avais expliqué qu'on avait eu quelques difficultés dans notre stratégie pour vaincre Peter et ses dragons. Que du coup, on avait fait une autre stratégie. Et donc maintenant, on commence la route victoire. Hey, tu sais que ce que tu viens de faire? Tu viens de faire ton premier pas à Kanto. Regarde la carte de ton Pokémon, c'est pas la peine, je sais où je suis, merci. Ah oui, c'est vrai. Faut aller dans la grotte. Ah. Du coup, cascade. Qui peut la prendre? Oh, y'a que Lugia qui peut la prendre. Ça me désole un peu. Tant pis. On va lui enlever Tornade du coup. Hop, ça dégage. Et c'est parti. Mince, j'aurais. Qui est en premier? Cadabra, bon c'est bon. J'ai cru que c'était Coquillas. Du coup, tout va bien. Donc, objectif de cette vidéo, aller au moins jusqu'à la grotte de la route victoire. Et si on peut aller plus loin, on ira jusque carrément à la ligue Pokémon. Ça fera en fonction du temps qu'il nous restera. Et un Osferalto. Ah, pas le psy. Et ça dégage. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une madame. Où tu vas, toi, avec tes Pokémon? La ligue Pokémon? Tes Pokémon sont assez confiants pour y aller? On va voir. Ah, tes Pokémon te font vraiment confiance. C'est agréable de voir un bon dresseur. Tiens, un cadeau pour toi. Cool, c'était 37. Qu'est-ce que c'est? Tempête sable. Ouais. C'est pas utile. Bonjour. C'est rare de voir quelqu'un ici. Tu t'entraînes tout seul? Oui. Alors, c'est une taupe dresseuse, Lucie taupe dresseuse. Donc là, concrètement, ce qui est bien avec la route victoire, c'est qu'on gagne beaucoup d'XP. Alors, un air bizarre. Eh bien, oui, on va changer, on va envoyer... Explosion. C'est moi ou ce air bizarre a une gueule assez improbable? Voilà, ça dégage aussi. Au hasard, je dirais que le troisième c'est un Florizarre. Waouh, je suis un génie! Lui aussi il a une sale gueule. On va brûler tout ce beau monde. Voilà, coup critique. Comme ça on n'en parle plus. Et on enchaîne. On s'en fout. Surtout niveau 19, franchement. Oh, quoique, allez, juste histoire de gagner un niveau. Après tout, ça mange pas de pain. Voilà. Quand est-ce que tu apprends psycho, toi?
Tu me l'as bien fort, combat. Ouais. Alors, il nous envoie un magnéton. Donc, acier électrique. Je suis pas sûr que Kadabra puisse faire quelque chose d'intéressant. Ah mince. C'est même pas très très efficace. Ah, quitte à changer, autant envoyer Typhlosion. Il rate ses grincements, c'est pas plus mal, ça baisse ma défense et ça fait un bruit atroce. Donc voilà, ça dégage. Un Marest. Oula, Marest, j'en vois quoi moi? Farm va être inutile vu que c'est un type sol. Coquillasse aussi vu que c'est un type. Oh bah ça sera Kadabra du coup. La diffusion il sera doublement inutile. Ça va, c'est pas très difficile pour le moment. Comment ça, il résiste? Aïe! Ça, ça fait mal. Ouf! Kadabra s'en sort. Le troisième, c'est un 9-9. Plante poison. J'attaque sûrement en premier, donc on va laisser Kadabra. Non, c'est pas un plan de poison, c'est un plan de psy. Ouais, du coup, c'est pas efficace. Il fait lance-soleil. Donc ça veut dire que si je le tue à ce tour-là, c'est fini. Ouch. La déception. Donc l'ensoleil c'est l'attaque type plante la plus puissante. C'est l'équivalent du déflagration ou du fatal foudre. Bah écoutez, du coup on va envoyer bah Typhlosion. Ouais, Typhlosion c'est bien, c'est un bon plan Typhlosion. Hop là. Uf. Bon, du coup, on va ressusciter notre Kadabra. Est-ce qu'on n'a pas aussi des potions? Si, on en a encore. Il faudra penser à en racheter une fois arrivé à la Ligue Pokémon. Que j'envisage pas de faire la Ligue Pokémon sans potion, en fait. C'est inimaginable. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me dire que je suis fort? Arrêtez, arrêtez! Je vais rougir! Harry Trot Dresser, il nous envoie un Sablero. Bon bah, Kadabra, ça semble être un bon deal. Sans plus. C'est pas très dur, hein. Je m'attendais à avoir un peu plus de difficultés sur cette route de victoire. Merci monsieur, bah de rien. Ne dis rien, je vais lire dans tes pensées. Je sais, tu veux te mesurer à la Ligue Pokémon. Ouais. Bon, le mec, ça va. En même temps, quand tu prends la route victoire, c'est que t'as envie d'aller au plateau indigo, quoi. Alors, un Staros, Pokémon de type O et Psy. On va pas laisser Kadabra.
On va laisser nos autres Pokémon s'amuser aussi un peu. Et point éclair, zut, je suis trop lent. Cadabra niveau 35. Neuf, ben on va envoyer Typhlosion. Et roue de feu. Comme ça, il passe niveau 37. C'est un girafe avec Pokémon de type Psy Ténèbres, si je dis pas de bêtises. Tiens, allez, pour le fun, on va envoyer Lugia. Et on va faire Dracosouffle. Donc Dracosouffle, ça a 30% de chance de paralyser la cible. Ah mais il a beaucoup de PV, Lugia. C'est plutôt une bonne chose. Ah voilà, il est paralysé. Et on va faire cascade, allez, pour le fun. Voilà. Je savais. Bah pourquoi t'as fait ce combat là si tu savais que t'allais perdre? Le mec n'a aucune logique. Tu devrais faire attention aux Pokémon sauvages du coin. Ouais, ils sont un peu plus forts, ils sont de type entre niveau 30 et 35. Mais c'est pas plus mal, ça nous fait pas mal d'XP. Ah oui, je vous ai pas expliqué pourquoi je laisse Kadabra en premier. C'est parce que c'est lui qui a la pièce rune. Donc dès qu'il participe à un combat, si je le gagne après, je remporte le double de Pokédollars que j'aurais dû recevoir de base. Hop, ça dégage. Un Nidoqueen type poison et seul, donc ça sera pour Kadabra. Hop. Normalement, il devrait bientôt apprendre Psycho. Staros. Lugia a plus beaucoup de PV, je vais envoyer. Farm a plus beaucoup de PV, je vais envoyer Lugia du coup. C'est franchement pour la frime hein, de sortir mon Lugia. Ni plus ni moins. Tiens, on va faire un aéroblast. C'est l'attaque de petite vol la plus puissante. Et ça le tue pas. Allez, va-t'en. Bien. On soigne Pharan. Où es-tu? Tu es là. Et on continue. Qu'est-ce que c'est que ça?
Moi je suis en pleine forme, je me sens capable de battre le maître de la ligue. Non. Vraiment pas. C'est pas avec 3 Pokémon dans le niveau 30 que tu vas pouvoir le battre. Tout ça pour un Quillfish. Ce Quillfish me rappelle amèrement notre cher Amé des Pêcheurs. Oh, quelle tristesse. Tant d'XP donné à Coquillas pour pas grand chose. Et niveau 36, est-ce que tu apprends Psycho? Non. C'est un poisson roi, on va envoyer Farampe. Coup critique, c'est super, on gagne du temps. Ça compte pas. Bah si ça compte, raffile-moi ta thune. Hop. Un Doduo. Pokémon de type vol, mais qui n'a pas d'aile. Je te demande vraiment pourquoi. Waouh, regarde-moi tous ces badges, je suis bluffé. Les collectionner ne te suffit pas, hein. Bah non, si je pouvais te mettre de la ligue, ça serait encore mieux. Anselme Kinésiste nous envoie un Mentali. Un Pokémon de type Psy. Du coup, ça va pas le faire là. Attendez, c'est du type Spectre. Le type Spectre, c'est efficace contre le Psy? Je ne sais jamais. Eh ben oui. Je confonds toujours avec le type ténèbres qui lui du coup ne doit pas être très efficace. Et voilà. On gagne vraiment beaucoup d'XP je trouve. Là, si je me dis pas de bêtises, on arrive pas loin d'un checkpoint. On pourra soigner le Pokémon. Le voilà. C'est ça, je crois. Oui. Super. Merci, Madame en bleu. Si tu es arrivé juste ici, tu dois être fort. Je vais me donner à fond. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'ils ont tous à dire que je suis fort? Je le sais, merci. Cathy Top Dresser. Un Pikachu. Tant qu'on va changer pour Farampe. Ça, à mon avis, ça doit rapporter pas mal d'XP. Ah, c'est malédiction. Mais alors, c'est pas la malédiction de type spectre, c'est la malédiction qui augmente, enfin, qui diminue sa vitesse et qui augmente son attaque et sa défense. Et c'est pas assez. C'était pas une bonne idée de sa part. Et du coup, j'attaque avant lui. Mais c'est incroyable, oui, je sais. Une Bégel, bon. On avait déjà une, je crois. Ça peut toujours être utile, on sait jamais. Qu'est-ce qui se passe? Amé des Pêcheurs. Ando, coucou, c'est Amé, quel temps dehors? Tu veux te battre? Je serais pas là, même chose que la dernière fois. Je serais vers route 42 plus tard. Bah non.
Je ne veux pas te battre. C'est en portant des combats difficiles que l'on progresse. C'est vrai. Alors, Gavin Topdresser qui nous envoie un Ampiflore. C'était du plan de poison, donc du coup Rafalopsy. Un Pyroli, oui. On va envoyer Lugia. Cascade. C'est pas très très efficace cascade. Pour l'attaque de type eau sur un Pokémon de type feu avec 8 niveaux d'écart. Et voilà, le jet de sable de la mort. Allez, dégage. Krabos, du coup, ça sera pour Farampe. Point éclair, ça devrait suffire. Largement, même. Par là, doit y avoir un truc à récupérer. Eh ben non. Pas du tout. On doit approcher de la fin, je crois. Je me prépare pour la Ligue Pokémon. Soit. Jack Topdresser qui envoie un Parasect. Alors lui il est pas de type poison je crois, il est de type insecte plante. Donc normalement c'est pas efficace. J'essaye quand même. Ok, c'est moyennement efficace. Dans Slam qui augmente son attaque à fond, ça ne suffira point. Un aquaquac type eau, c'est pour Farampe. Il est plus rapide que moi. Bon, tant qu'il me rend pas confus, ça me va. Il y a une bouboule là. Max Elixir, toujours utile. On refait le tour. Ça doit être la dernière, je crois. J'ai perdu face à un type du nom de Torrent. Tain, il est déjà passé par là. Il était fort, mais on aurait dit qu'il combattait pour sa vie. Ça me faisait de la peine pour ces Pokémon. Donc voilà, petit mini spoiler, on va recroiser Tauren bien vite. Et là, nous envoie un Galopin. Et on envoie Lugia. Voilà, dans Slam, ça fait, c'est une attaque de type feu qui peut nous blesser. Chaque tour, en plus. Un peu comme le plein attaque comme ça, il y a siphon, il y a constriction, je crois. C'est pas constriction, c'est ligotage peut-être. Il refait dans Slam.
incroyable. Les Pokémon ne sont pas nos esclaves, c'est bien vrai. Donc normalement, c'est bon. Seuls les dresseurs confirmés peuvent passer. Oh, les 8 badges de Johto. Après vous, mon doux seigneur. Oh, mon doux seigneur. Bien. La partie que je déteste le plus. Parce que je sais même plus où est-ce qu'il faut aller en fait. C'est à gauche. Il y a des gravalanches de partout. Un rhinocorne. Bah écoutez, il y a beaucoup de Pokémon de type roche-sol, donc on va peut-être mettre Coquillas en premier. Voilà, comme par hasard c'est plus un Pokémon de type roche-sol, c'est pas grave. Oh non, pas ultrason. Allez. Yes. Mange-toi ça. Et ne m'emmerde plus. Spécial plus, bon pour le vendeur ça. Surf. Bon, il fait frénésie, c'est une attaque de type normal, je crois, ou combat, je sais plus. Et ça, les dégâts augmentent à chaque fois qu'il subit les dégâts. Encore faudrait-il qu'il puisse attaquer au prochain tour. Non, c'est un truc, c'est trop chiant. Je veux pas du combat. Oh, fuite impossible. Fuis, pauvre fou. Oh. J'ai dit fuis. Bon, d'accord, on va faire le combat. Bah voilà, coup critique. Bon, mais là il va mourir, donc je vais envoyer Kadabra. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant. Par contre, faudrait que je trouve c'est quoi la différence entre Onde Folie et Ultrason, parce que les deux rendent confus, mais ça doit pas être les mêmes probabilités. Thank you.
un Donphan. Pokémon de type sol. Évolution de Fampi. Et c'est un sacré tank. Il doit avoir beaucoup beaucoup de PV. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas une petite hyper potion pour Coquillas ? Encore un Donphan. Bon, cette fois-ci, je peux les one-shot, c'est super. Un plus qui meurt. Ok, donc c'était visiblement pas par là. Mais on récupère un guérison. Alors guérison qui redonne tous les PV et qui au passage soigne les problèmes de statut. Oh non, ils vont encore nous faire chier. Voilà, je l'avais dit. Bon, je vais plus mettre Coquillasse en premier. Parce que là, les Nosferatu, ça commence à me taper sur le système. De toute façon, il faut que j'aide Kadabra pour qu'il apprenne Psycho. Même si Rafale Psy, concrètement, c'est déjà très efficace. Donc vous savez quoi, on va mettre Lugia en premier. Parce que lui aussi a une attaque de type O. Ah bah, c'est la fin. Alors attendez. Ah zut. Lâche-moi. Il va y avoir des objets à gauche. Oh non, la flemme. J'ai pas trop envie de me perdre. Donc on va aller affronter notre rival. Minute. As-tu relevé le défi de la Ligue Pokémon ? Me fais pas rire, t'es nul. Un gros naze. Et moi, tu sais quoi ? Je suis bien meilleur que toi. J'ai les meilleurs Pokémon, les plus forts de tous. Je suis invincible. Endo, je vais te briser. Bon, on voit qu'il est toujours aussi charmant. Alors, Farfuré. Tu ne devrais pas être là, Lugia. C'est un travail pour Typhlosion. Taillade qui n'est pas efficace puisque c'est une attaque de type insecte. En revanche, roue de feu sur Parfumé qui est de type glace. Ça devrait lui faire mal.
Allégatueur. Ça, c'est pour Pharan. Alors, Allégatueur niveau 38. Il y a des chances qu'il soit plus rapide que moi. Ouais. Grimace qui diminue ma vitesse, c'est pas grave, je lui fais une cage éclair. Donc quoi qu'il arrive, il attaquera en dernier. Presque mort. Allez, un petit éclair, juste pour l'humilier. Ça reste quand même l'attaque de type électrique la plus faible. Magnéton pour Typhlosion. C'est super. Ensuite, Nosferalto. Alors, j'ai plusieurs choix, c'est soit Pharan, soit Kadabra. Allez, on va envoyer Kadabra. Il en reste plus que deux. Alors, Spectrum, bah on va envoyer Lugia. Et on lui fait un aéroblast dans sa gueule. Niveau 41. Le dernier c'est un Kadabra et on va garder Lugia. Aéroblast encore une fois. Et voilà. Le rival est vaincu. Tauren a perdu. Je pouvais pas gagner. Je me suis donné à fond. Tu as quelque chose que je n'aurais jamais. Je commence à comprendre ce que voulait dire le type au dragon. Je n'ai pas oublié mon rêve, devenir le plus grand des dresseurs. Je vais vite apprendre ce qui me manque pour m'améliorer. Et alors ça va être ta fête. Tu vas ramasser tes dents avec tes doigts cassés. Alors à bientôt, minable. Bon, il semble qu'il a compris que... XP ses Pokémon à coups de marteau, ça marche pas. Mais il est toujours très très aimable vis-à-vis de moi. Et bien voilà, la route victoire, c'est... terminé. Donc on va faire quelques emplettes. Alors on va vendre quelques trucs. Qu'est-ce qu'on va vendre? Bah au mystique on en a plus besoin. Bon, ça rapporte rien. Hein. Ensuite spécial plus, pareil, pas besoin. On doit y avoir des CT aussi à virer. Ouais, il y en a 3. 500 poké, 1000 poké, 1500 poké. Ensuite, qu'est-ce qu'on achète? On achète... alors, hyper potion, ça ramène 200 PV. Donc on va en prendre 15. Pour prendre des rappels, on va en prendre... 13, j'en ai, moi c'est encore un peu. On va prendre quelques total soins aussi. On va en prendre 9. Voilà, donc concrètement si je perds, je suis dans le mal. Et on va se mettre ici. On va sauvegarder et on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la liker et à la commenter si elle vous a plu.
Suivez les aventures d'Ores sur Pokémon Or le mardi et de Games sur Pokémon Crystal le vendredi. Suivez Evasin Studio sur les différents réseaux sociaux. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao.